thème. C'est le thème La Relève aujourd'hui et une autre de nos artistes est avec nous. Il s'agit de Laurence Dussault. Oui. Oui. Ça va bien? Oui, vous aussi? Oui, ça va très bien. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça te fait, la musique? Qu'est-ce que ça t'apporte? La musique, ça m'apporte énormément parce que c'est tout le temps là pour me remonter le moral. C'est toujours là pour me faire vivre des émotions. Vraiment, j'adore la musique, puis je serais pas capable de m'en passer. Là. C'est une passion pour moi. C'est pas juste un domaine d'études. C'est vraiment, là, ça me guette tout le temps dans toutes mes pensées, dans la façon dont je suis, là, vraiment. Fait que c'est très important pour moi, la musique. Tu interprètes des pièces de grands compositeurs. Est-ce que tu songes à un moment donné à créer tes propres créations? Non, c'est un petit peu plate, là. Mais la composition, c'est un domaine... Ben, tu sais, il faut vraiment être à l'aise là, pour composer. Puis moi, on dirait que toute la musique qui est écrite, c'est comme... C'est tellement beau, c'est tellement complet que moi, je me verrais pas écrire puis faire de quoi... Comme ça, c'est vraiment, je sais pas, puis je suis capable de prendre les pièces puis de les rendre personnelles. Tu sais, comme si c'était ma pièce, là. Fait que, tu sais, moi, je ressens pas le besoin de composer. Tu sais, je m'exprime à travers les œuvres d'un autre. Puis c'est que ça reste moi, c'est quand même ma couleur personnelle parce que c'est moi qui joue. Mais, tu sais, c'est sûr, c'est pas moi qui écris les notes, mais, tu sais, je trouve tellement, tu sais, comme la pièce que j'ai faite aujourd'hui, Chopin, tu sais, moi, je l'aime tellement, Chopin, puis je serais pas capable de mieux exprimer que ce que lui fait. C'est vraiment ta passion, ça, on peut le voir, tu joues magnifiquement. Un de tes rêves, ça serait quoi? Ben moi, que tu te projettes dans l'avenir. Oui. Ben c'est sûr, j'aimerais ça enseigner au cégep ou quelque chose comme ça, là, parce que tu transmettes ma passion aux gens, puis qu'ils continuent justement à avoir de la relève, qu'il y a encore des gens qui poursuivent dans cette voie-là, parce que tu sais, la musique classique, c'est comme un peu tabou, je trouve. Il y a tellement. On dirait que c'est comme si c'était mal perçu, puis c'était comme juste réservé aux vieux. Ou sinon à une élite. Fait que, tu sais, les jeunes, tu sais, sur les plaines, ou je sais pas trop, il y aura pas un concert classique, tu sais, qui va attirer les jeunes de mon âge. Puis pourtant, tu sais, le classique, c'est la base de tout. Fait que moi, j'espère que vraiment donner la passion aux gens, puis que ça continue, puis que, tu sais, c'est vraiment une belle musique, là. OK, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux que t'aimes avant qu'ils se mettent à pleuvoir? OK. Ben merci à tout le monde qui m'encourage dans mes démarches pour faire de la musique. Puis j'espère que vous avez aimé la prestation que j'ai faite aujourd'hui. Et finalement, donc, on y va là-bas. Juste pour dire, là, parce qu'on est en direct, hein, donc la température n'est pas bien bonne pour nous autres. Ton expérience à temps, Mme Sylvain? C'était génial. C'est à refaire. Ouais, OK. Donc, on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Hein, et encore, lâche pas, tu as beaucoup, beaucoup de talent. C'était RadioTam.tv avec un gros nuage autour de nous. Ciao!